Salut, c'est Megadriver, c'est ce jeu FIFA 18, la dernière série que je vous propose sur ce jeu. A priori, on est dans ma coupe internationale féminine, les demi-finales. On peut regarder rapidement les tableaux, c'est ici. Avec le parcours des Bleus à cette sortie de poule qui ont éliminé l'Allemagne au bout du suspense, on l'a vu en quart de finale. On va affronter l'Angleterre, tombeur de l'Italie. En face, la demi-finale opposera les USA à la Hollande. Et donc voilà pour cette présentation. On va jouer le match. On se met avec l'équipe de France, bien sûr. Le maillot, les bleus, face au maillot blanc des Anglaises. On va rester sur la configuration classique, sur la composition classique. La petite phase d'entraînement, toujours initialement. Ah là, il faut essayer de défendre. C'est raté. Oh, on y est bien arrivé, non, là. Voilà qui est bon. Allez, c'est parfait, on peut commencer cette rencontre. Dans quelques instants, le coup d'envoi. On espère vivre une grande demi-finale. Les deux équipes sont très motivées pour aller chercher ce fameux billet pour la grande finale, Pierre. Oui, question motivation, c'est clair. S'arrêter en demi-finale, c'est très, très frustrant. Donc tout le monde veut aller plus loin. La France face à l'Angleterre, c'est toujours un match spécial, Pierre. Ah oui, ça l'est en rugby, ça l'est en foot masculin, ça vaut aussi en foot féminin. Donc oui, la rivalité n'est pas une légende. Allez la France, allez les Bleus, allez les filles. Elles nous font rêver pour le moment. Pourvu que ça dure. On propose d'écouter l'hymne de la France et de l'Angleterre. Les hymnes. Toujours pas d'étoiles sur le maillot des filles. Ça serait bien que ça change. Et l'hymne anglais. Elles n'ont plus pas encore d'étoiles. Mais une grande équipe. Et voilà, on va passer à la compo, je pense. Depuis assez longtemps en foot, hein. Dès 1884. Le Parc des Princes, qui a été un petit peu relooké aux couleurs du club, du Paris Saint-Germain. Oui, les Qataris ont entrepris des énormes travaux et aujourd'hui, le stade est vraiment ultra moderne. Un petit peu d'infos sur le stade du Parc des Princes. La composition, les 11 Françaises qui vont débuter la rencontre. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. Dans ces fils milieux, pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Ça, c'est pour les Françaises, compo classique. Et vous découvrez les joueuses anglaises retenues pour ce match. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Eh bien, on va essayer de le bouger. La tension est palpable, le coup d'envoi c'est pour maintenant. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de ce match. Mais ça commence à l'âge quand même. Ah, une perte de balle tout de suite. Le ballon est perdu. Ça c'est dommage, je ne voulais pas forcément la faire là-bas cette passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ballon cloche. Mélodie Tobis. On peut lui repasser le ballon. Est-ce qu'elle peut, oui, éliminer son adversaire? Un centre, peut-être. Allez, y a du monde pour reprendre. Dommage. Pour écarter le danger. Allez. Oh non, il y avait de quoi faire une belle transversale, là. Alors, on essaye de faire un repli défensif, quand même. Même pour mon attaquante de pointe. Tony Dugan.
Ouh, ça c'est dangereux, ça, attention. Ce ballon, mais le danger est écarté. Ah, qu'est-ce que c'est? Elle s'est embarquée toute seule alors, au moment où je faisais la passe. On se l'est fait chourer. Oh, elle est belle cette passe en profondeur. Pour les Anglaises, c'est bon. La gardienne est dessus. Jessica Ouaradobo. Non, elle a été interceptée cette passe. Ah, elle nous intercepte trop de passes, les Anglaises là. Hein. Peut-être une bonne opportunité, attention. Attention, pas de faute dans la surface, bien sûr. La passe est interceptée. Ah non. Oh, efficace. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Eh oh, mais tu peux pas y aller, ma gardienne, là. Les Anglaises qui vont bénéficier d'un corner. Pas très à l'aise sur sa sortie de but, là. La gardienne française, c'est dommage. Dans les caisses, elle est meilleure. Oh, que c'était chaud. Très bien joué, cette tête, hein. Taylor qui a failli marquer là pour les Anglaises. Oh, mais c'est pas du tout bien cadré au niveau de la caméra, c'est dommage. On aurait pu profiter un petit peu mieux de cette. Allez. De cette occasion qui était belle hein, pour les Anglaises. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire. Ah dommage, si c'était passé. Mon attaquante qui se présentait là. Lucie Bronze. Tony Dugan. Ah, comment elle arrive à récupérer cette passe alors qu'on était devant elle. Et non, le contre-favorable pour les Anglaises. Regardez qui sort pour récupérer ce ballon. Allez. Essayez d'assurer les passes, les filles. Ça, c'est une passe en profondeur. Bon, allez, juste au moment où je dis d'essayer d'assurer les passes, mais c'était une opportunité. Je pensais qu'il fallait la tenter. Il y a peut-être une bonne occasion. Une belle séquence de possession dans le petit terrain adverse en plus. Tony Dugan. Non, non, chourez-lui le ballon, là. Karine Carvé. Mais pourquoi elle n'arrive pas à... Voilà. Le tacle dans sa propre surface. Mélodie Thomas. On s'approche du but. Ah, elle est partie. La Black a fait machine arrière. C'est totalement dommage. Il y avait une possibilité d'attaque en profondeur, là, intéressante. Non, ça, il faut l'intercepter, ce genre de ballon. Ah, le ballon qui continue après ce tacle et qui va le prendre. Ah, c'est trop violent comme passe. C'est beaucoup trop violent, j'ai pas du tout fait ça. J'ai même pas fait une passe en profondeur pour tout dire. Merde. Alors là, on se rate complètement. C'est pas bon, ma défenseuse, là. C'est pas bon. Le centre appuyé. Le centre, maintenant, il est contré. Allez, les filles, on repart de l'avant. Ah non, il y avait quelqu'un sur la trajectoire de ce ballon. L'attaque est stoppée. Allez, ça c'est une tête. Non ! Et ils ont tous les contre-favorables. Hein. Leur boulot. Eugénie de Sommer. Un bon ballon d'attaque. Oui ! Oh, comment elle est passée devant moi, la défenseuse ! Comment c'est possible? On était tout seul à la tête, là, normalement. Non, ils arrêtent avec ça, là. Ils m'énervent. Bonne anticipation sur cette interception. Si on est à la 44e minute. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Oh non, il y a faute, là. Je faisais mon gris-gris, mon petit dribble. Tony Dugan. Eh, c'est la mi-temps. Toujours ce 0-0. C'est très joué en tout cas, hein, Pierre. Ouais, on sent que ça peut jouer à pas grand-chose. Un coup de pied arrêté, une mauvaise relance. En tout cas, il faut tout faire pour aller la chercher, cette finale.
Ah ouais, il faut tout faire pour aller la chercher, mais voilà, comme pour l'Allemagne, on n'arrive pas à débloquer la situation. On n'arrive pas à planter et pour tout dire, on n'a pas eu beaucoup d'occases, tout simplement. Ah ouais, là on voit mieux, hein, l'occasion la plus belle, c'est à mettre à l'actif des Anglaises. D'ailleurs, ils n'en montrent aucune autre, pour le coup, aucune autre action n'est présentée. On va regarder un petit peu les détails de ce match avec 2 tirs pour les Anglaises, 0, oh là là, 0 tir cadré, 0 tir tout court, une possession d'avantage des Anglaises. Ça fait mal pour le moment, ça fait mal. Les Françaises vont devoir se reprendre pour cette deuxième mi-temps. Allez, on est parti pour cette deuxième mi-temps. Coup d'envoi. Les Britanniques. Voilà, la seconde période qui commence à l'instant. On espère voir enfin du jeu. Parce qu'on ne peut pas dire que les 45 premières minutes étaient enthousiasmantes. Loin de là. Ellen White. Ah, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Allez, on se défait. Voilà, ça c'est bon, ça. Les 30 derniers mètres. Oui, oui, oui. Oh, l'occasion. Oh, le beau tir. C'est dommage, directement dans les gants de la gardienne anglaise. Là, il y avait une belle occasion pour les Françaises. C'était bien joué. Tout était bien amené. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah, mais pas du tout, c'était pas là que j'avais dirigé ma passe. C'est dommage. Ouais, 1-2. Carré de carnet. Oh! Oh, oh la violence! Et le danger qui va donc s'éloigner. Oh, le contre-favorable, faut en profiter, ça! Merde, l'autre, elle a le pied qui traîne en défense, qui nous empêche. Ouais, elle se trouve bien, c'est exactement ce que je disais sur les matchs précédents. Les filles sont à l'aise, les Anglaises, pour faire tourner ce ballon, regardez-moi ça. Elles nous font tourner en bourrique. Ah mais alors, les défenseuses là, c'est nul. J'espère que ce n'est pas un corner ça. Concédé par la défense, finalement. Oh merde, oh, je rêve. Un corner, alors là. Allez, des premiers changements tactiques pour les Anglaises et les... Bah, et le mien, alors voilà, on ne le voit pas, mon changement, ça y est. Entrée de Diani. On va tirer ce corner, attention, suspense. Pourquoi j'ai pas de bleu à cet endroit-là? On n'a qu'à les laisser tranquillement faire ce qu'elles veulent. Oh, c'est pas bon ça. Voilà, ça c'est mieux. On va essayer de construire un peu. Mais je rêve, j'attends pour avoir la meilleure opportunité de passe possible. Ça part bien, action dangereuse. Et je fais n'importe quoi. Ah oui, le bon ballon là. Ouh, quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique. Il a manqué un petit brin de réussite. Allez, nouveau changement qui nous est proposé. Toletti qui rentre. Maroui qui sort. Elle a déjà marqué, elle, je crois, par le passé. Ce serait bien inspiré de faire la même chose cette fois-ci. Allez, dans le couloir. Eugénie Le Sauveur. Ah, mais quelle nous fatigue avec leurs pieds qui traînent toujours, les Anglaises, là. Quelle défense de fer. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Allez, on s'écarte. On s'approche de la zone de vérité. Ah, on essaye de faire un peu de dribble, un peu de jeu. Essayer de faire la différence comme ça. En dribble, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça, c'est peut-être bon, ça.
Ah, mais c'est pas possible. On va s'enfermer. On va s'enfermer, je le sentais. Mais c'est pas possible, regardez, je suis déjà en train de passer le ballon, de me retourner, qu'elles sont déjà sur nous, les Anglaises. De l'attaque, il y a encore de l'attaque, il en a besoin. Au moins, on pourra pas reprocher à l'entrée. Ah, la bonne inspiration sur ça. Ah, ouais, ça, c'est une belle passe. C'est une belle passe, il faut bien l'admettre. Et la gardienne qui sort pour récupérer ce ballon. Gardienne qui donne vraiment un vrai sursis à son équipe avec cette intervention. C'est nul, il n'y a personne à la réception. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce foot là? Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Ouh, aïe, 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 c'était chaud ça comme passe. Allez, tu y vas. Merde, la passe, petite passe en profondeur hein, dans les petits espaces, j'y ai cru. J'y ai cru, mais ce n'est pas passé. Ah ouais, le ballon qui circule bien. C'est finalement un ballon perdu. Ah, comment on rate ça? C'est pas possible de rater ces opportunités. Ah ouais, c'est dommage. Clairement, ça peut faire but derrière, donc c'est très bien. Non. Comment ça? Et on est plus grande que les Anglaises là à l'avant là. C'est contré. Ah dommage, elle ne s'est pas suffisamment approchée, mon attaquante, pour aller réceptionner cette tir en profondeur. On savait qu'il n'y en avait plus beaucoup de temps. Il fallait tenter quelque chose de loin. C'est quoi? C'est... Non, c'est la fin, la coup de sifflet final sur ce score de 0-0, tout comme le quart de finale face aux Allemandes. Bon, il y aura peut-être une occasion ou deux à se mettre en plus sous la dent au niveau du résumé. Sûrement celle des Françaises en début de deuxième mi-temps. Oh ben non, qu'est-ce qu'il nous montre là? Ouais, bon, d'accord, ok, c'était pas mal, mais... Et notre super tir à bout portant? Non, toujours pas. Tandis que les États-Unis ont battu les Pays-Bas dans l'autre demi-finale. Détail, est-ce qu'on a revu un petit peu... Oh là là, 5 tirs! Bon, un seul cadré, nous aussi. 5 tirs à 1 pour les Anglaises. Ça fait peur. C'est souvent difficile, hein, ces prolongations. Il faut piocher dans ses réserves et c'est souvent là que se fait la différence. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Mais enfin, avec un mental en béton, en général, le physique suit. Ah ouais, on tente, hein. On tente de loin, sait-on jamais. On n'était pas encore pris par les défenseuses, fallait le tenter. C'est dommage, c'est pas cadré. Ça aurait été tellement beau. Ah, j'ai cru qu'on allait l'intercepter celui-là, là, hein. Allez, on reste... Non, j'allais dire, on reste concentré, mais c'est pas possible. Allez, il n'y a personne, là. Elles sont peut-être... On est peut-être en surnombre. Oh, on est venu s'empaler sur cette défenseuse. Non, c'était même un milieu de terrain, tout simplement. La frappe. Le gardien qui est là et qui ne relâche pas ce ballon. Bon alors ça non, hein. Il y a eu obstruction complètement de l'Anglaise, regardez comme elle est venue sans jouer le ballon quasiment, nous brutaliser. Et comment elle joue là, elle est anglaise hein. Ah ouais, ça marche. Ouais bon, c'est pas du tout cadré heureusement. Ah, notre attaquante vedette qui va sortir. Sommaire. Allez. Il n'est pas du tout parti. Ouais, bah elle se plaint d'ailleurs, hein, ma française, parce qu'elle trouve que ça méritait une faute, ça.
Oh, dommage, à quelques centimètres près, elle a le pied sur la défenseuse, encore une fois anglaise, pour venir contrecarrer nos plans de passe en profondeur. Leur boulot. Allez, elle est fraîche. Non, déjà la mi-temps, c'est tellement rapide, ces prolongations, bien évidemment. Ouais, on a vu hein, que les États-Unis s'étaient imposés. C'est tout de suite. Allez, début de la seconde prolongation. La seconde prolongation. C'est la dernière ligne droite. On va bien voir si la fatigue prend le dessus sur le jeu. Non! Qu'est-ce que c'est que cette passe toute pourrie? Ça, c'est un jeu, un bon jeu, une touche de balle. Mais c'est pas possible, toujours un pied anglais. On s'approche du but. Non, c'est contre... Ah non! Et on n'arrive même pas à revenir suffisamment fort, suffisamment vite pour pouvoir la déposséder de ce ballon. Oh, mais attendez, j'ai rien fait là. Pourquoi elle nous fait cette passe en cloche? Complètement stupide. Les filles, là, on est désorganisés, là. C'est n'importe quoi, cette histoire. C'est n'importe quoi. Ellen White. Oh, c'est contré, ce tir. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ah, c'est clair qu'un but, là, serait forcément décisif. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer avant les tirs au but. Aïe! Oh, le... Ah, c'est une faute. Coup franc, que c'est mauvais, ça, à quelques mètres près. Même à un mètre près, c'était le péno. Ouais, prends-toi un carton, ouais. T'es limite la dernière défenseuse, hein. Ouh, elles sont pas contentes. Ouh, elles sont pas contentes, d'accord. Intervention défensive irrégulière. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Allez. Une occasion à la 115e, il restera que 5 minutes derrière. Notre tireuse de coup franc. On va placer le mur. Allez, ce serait bien de le placer comme il faut. Peut-être comme ça, avec un tir un peu enroulé. Merde. Allez. Oh, c'est au trou. Et c'était en plein sur la gardienne, hein, pour le coup. Bravo. C'est mal jugé. Et ce coup franc passe au-dessus de la barre. Ce coup franc qui est trop enlevé. Trop enlevé, carrément. On entre dans les 3 dernières minutes hein, de cette rencontre. Et les filles sont fatiguées, ça se sent à la course. La course est beaucoup plus dure à mettre en œuvre là. Que c'est que ce tir de bourrin là? Énorme. Mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. On revoit cette intervention jugée. Ouais, allez, on s'en fout de ça. Rien à dire, le jaune est plus que mérité. Est-ce que j'aurais une fille là qui serait toute seule? Voilà. Mais c'est pas possible d'être des ballons contrés comme ça. 2 minutes seulement. Oh là là, elles y sont plus. Voilà, ça, elles y sont plus, regardez-moi ce que c'est là. Et voilà, non, c'est ce que je ne voulais pas. Les pénalties. Après la séance des tirs au but, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas comment on fait les tirs au but dans ce. Dans ce jeu. Allez, allez-y les filles. On va se préparer. Ça y est, c'est bon, la liste est prête ou c'est nous qui devons les choisir? Allez, on continue. Choix des tireuses de pénalty. Attendez, je vais pas... Ah oui, d'accord. Ouais, bah on va garder ça, hein, ça m'a l'air très bien. Allez, choisir. Non, mais ça me va bien. Allez, c'est bon. On est prêt.
Ah voilà, continuer, c'est là-haut. Allez, c'est la France en premier. Suspense, un exercice pas vraiment apprécié. On peut décaler sa joueuse. Oh mais non, c'est la flèche que j'ai pas bien mis la flèche. Oh, c'était juste pour elle. Hein. Viser, tirer, ajuster la position de départ, mais on s'en fout. Avec ou sans cible. Voilà, celui-là, mais il est moche, il est tout petit. Oh, en voilà un à arrêter juste devant. Ah, celui-là, il y est. Allez, tire devant, s'il te plaît. Non, mais pourquoi, déjà, pourquoi ma gardienne ne plonge pas, ça, je ne comprends pas. Allez, la puissance n'est pas trop forte, c'est bon. Et alors, on tire toujours pas haut. Hein. Comment? Oh, elle l'a raté. On décale un peu, on va le faire sur la gauche. J'ai mis un peu plus de puissance là. Oh, elle a arrêté. Elle a plongé du bon côté, pourtant c'était mon pénalty le mieux tiré, il faut bien l'avouer. Allez, peut-être qu'elle va le rater. Oh là là, la puissance qu'elle prend, elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, elle l'a marqué, mais j'ai cliqué sur pause ou je ne sais quoi là. Allez là, un tir de bourrin. Oh non, il est passé à côté. La pression est énorme sur ses épaules. Grosse pression, bien sûr. Comment elle va le tirer, elle? Sur la gauche, je suis sûr. Non, sur la droite. Ah ben voilà. C'est la victoire des Anglaises qui iront en finale, malheureusement, pour les Françaises. Quelle épreuve, ces pénaux. Oh, qu'est-ce que c'est que cette course d'élan qu'elle nous fait? Et il était bien tiré, hein, parce que pas très puissant, mais par contre tellement bien, là, dans le petit filet. Bon. Bon, allez, c'est la numéro 16 des Anglaises qui remporte. Dans ce match, elle quitte la compétition. Ah, c'est la loi des compétitions à élimination directe. Hein. Bah, attendez, on quitte la compétition. Il n'y a pas un match pour la troisième place par hasard, un truc dans le genre? En tout cas, si c'est la fin, eh bien tant pis. C'était le parcours des Françaises qui ont été jusqu'en demi. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Donc ça, c'était les meilleures actions. On va s'en passer. Ok, il y a eu un peu plus de tirs pour les Françaises, pour le coup, à la fin, deuxième mi-temps. Est-ce que nous aurons droit à un match pour la troisième place? Non, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans cette coupe? C'était peut-être bien la dernière vidéo. Attention, là où les équipes suivantes ont été éliminées de la compétition. France, ok. Ah ben ouais. Fin de compétition. Est-ce qu'on sera quand même? Ah ben attendez. On ne sait pas qui a gagné. J'ai fait n'importe quoi là. Il y avait peut-être une sauvegarde. La sauvegarde automatique. Est-ce qu'on peut voir quand même ce qui s'est passé sur la finale? Ah mais non, on n'a pas le droit de voir le résultat. Qui aurait rencontré cette allez, simuler le match? Non, continuer. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, il y a une avancée entre les États-Unis
Et l'Angleterre, qui aurait pu remporter cette finale des filles? Là, c'est bloqué, là. Décidément. Et bah, ils veulent pas me le montrer. On ne saura jamais qui a remporté cette... Ah si, peut-être là. Ça y est, là ça a été au bout là quand même. Voilà, 3-1 par les USA qui ont remporté un nouveau titre de championne du monde dans cette coupe internationale des femmes dans FIFA 18. Je vous dis à plus tard.